Donc on voit que les joueurs de Quevilly profitent de quelques maladresses techniques des joueurs d'Ankerquois. Ben, comme les Dunkerquois là. Bosca, Bosca pour Dimitri Boudot. Dimitri Boudot qui frappe. Et Dimitri Boudot qui ouvre le score ici. Oh ce but. Oh ce but encore de Dimitri Boudot. On vous l'a dit. Il est en grande, grande forme cette saison. Iron Gomis qui va pouvoir centrer, Iron Gomis pour Mohamed Bayo, le ballon qui est sorti par Adrien Pianelli, et la frappe lointaine, Bayo, Bosca, Bosca qui frappe, oh, l'arrêt, oh merveilleux, super barré, un arrêt exceptionnel de Louis Souchot sur cette frappe de Guillaume Bosca, et Gaëtan Laura là qui est parti, une solution à gauche, avec Alexis Arojo, Alexis Arojo là qui est une nouvelle fois à côté, face à lui, Alexandre Loré, il frappe directement et Marc-Antoine Guillaume qui Vigilant. Peut détourner ce ballon en corner. Le ballon à droite hein, pour Diakité, Diakité qui serre Gaëtan Laura dans la surface de réparation. Gaëtan Laura qui s'emmène le ballon, qui cherche une solution derrière et ce ballon qui passe au-dessus du but de Marc-Antoine Guillaume. Seul Dunkerque prend l'ensemble des points. Oula, c'est intéressant. Attention à le ballon pour Mohamed Bayo qui part absolument tout seul. Mohamed Bayo qui double la mise de gardien. Oh, il double la mise Mohamed Bayo et ça fait 2 à 0 ici pour Dunkerque. On va féliciter le gardien car c'est lui qui fait une passe décisive de près de 60 mètres. À droite pour Ivan Masson. Ivan Masson qui va centrer pour Guillaume Bosca. Oh là là, Guillaume Bosca. Et ça fait 3 à 0. Exceptionnel Super. Cette première mi-temps côté Dunkerquois et une défense passive hein, côté QRM. Voilà, on voit un peu l'attentisme de la défense quand même sur cette sur ce centre à ras de terre. Kylian Sanson qui peut tirer ce coup franc, ras de terre et ce ballon cafouillé dans la surface qui tape la transversale et finalement qui est dégagé par la défense dunkerquoise. Et on en reste là dans cette première mi-temps atteinte sur le score de 3 buts à 0. Gomis pour Boudot. Boudot pour Bosca, c'est bien joué encore. Guillaume Bosca qui frappe dans les bras de Louis Souchot du milieu de terrain. Je pense qu'il a joué à la sécurité là, Claude Romain, parce que Gotteni, Sangaré encore. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Hein. Ouais. Regarde, et rouge. Et Sangaré qui va sortir. Il prend le rouge. Le Cali jusqu'à la ligne pour les joueurs de QRM, Monsieur Rabit, qui a même arrêté le jeu pour sortir Gustavo Sangaré. Ouais. Deux mauvais gestes en 30 secondes. C'est bien joué, hein. C'est bien joué Gaëtan Laura, il a compris hein, la course, Gaëtan Laura qui va s'approcher du but Dunkerquois, Gaëtan Laura qui réduit le score. Ah, c'est une bonne chose ça pour les joueurs de QRM de réduire le score ici à Dunkerque et ça fait 3 buts à 1 désormais pour les joueurs nordistes. On voit qu'on est 2 buts, on peut pas avancer. Si on est 2 buts, on peut pas avancer, c'est pas possible. Il y a encore un ballon récupéré, l'Everton Pierre, l'Everton Pierre encore. Oh, l'Everton Pierre qui sert Nathan Bizet. Nathan Bizet face à Louis Souchot. Et la sortie impeccable de la part de Louis Souchot. Qui est toujours pour QRM. Le ballon bien conservé hein, par Gaëtan Laura qui marque le deuxième but. Le deuxième but de QRM. Quel il est beau. Il est beau, encore une frappe de Gaëtan Laura. Et ça fait 3 buts à 2 ici